bonjour à toutes et à tous, le Signe Noir et bienvenue sur le Wed Marley, le bateau de Capitaine Mordecai. On reprend notre petite aventure et on avait une quête à faire pour essayer d'avancer dans l'énigme du Capitaine. On va peut-être pouvoir emmener le charpentier du coup et voir ce qu'on nous propose. The riddle tells us where to go. Bark and bramble, ash and ore, bone and fingers. Those are clues pointing to three islands. Dreadvine's Cove, an island of wild nature and haunted flora. The Iron Bay, one of the Inquisition's furnace islands. The Isle of Penance, a prison of souls harboring an old associate. I believe they all hold relics, though the fourth clue is still a mystery to me. We'll figure it out as we go. We also need more soul energy and black pearls. The relics will most likely be imbued with energy. As for the black pearls, the twins of Narek Timoresh still owe us a favor. Dreadvine's Cove and the Iron Bay might also have pearls. I entrust the choice of heading to you, Navigator. Intéressant, on peut faire celle qu'on veut du coup. On peut retourner là? Non, il faut qu'il y ait une mission. Alors, c'est parti pour les intros. This charming little island is haunted by the powerful souls of long dead siblings. The twins are quite mad and delight in reducing visitors to their personal playthings. No doubt the Inquisition forces here have already fallen victim to their schemes. We must navigate our negotiations carefully, lest we end up sharing their fate. Intéressant, donc on aurait une perle noire. Ce serait la journée et on peut y aller avec trois personnes, d'accord. Ici. Dreadvine's Cove, a wild island overgrown by cursed flora. It is the seat of the mighty Dreadvine, an eldritch plant of incredible age. Its roots span across the island, creeping tentacles of bark and thorn that divide the very land with their presence. The captain once negotiated a pact between us and the Dreadvine, granting us safe harbor in its domain. Now the Inquisition has claimed the island, prodding and dissecting the Dreadvine even as it feeds on their souls. White marble now juts from the jungle like giant bones as the Inquisition do their work, even in the shadow of the Dreadvine's terrible wrath. We will use the situation to our advantage and appeal to the Dreadvine in our hunt for relics and black pearls. C'est vraiment sympathique, hein. Alors du coup, là, on peut faire deux missions. Récupérer l'écorce de vignes froides et de l'énergie d'âme, ou récupérer une perle noire. D'accord. Ok, ici. The Iron Bay. Once a charming and haunted atoll, this island was transformed into a blazing furnace by the Inquisition's divine alchemists. Cursed items from across the Timeless Shores are gathered here, to be scrutinized and catalogued. Humans suspected of heresy are interrogated and sent to the tunnels below to do their penance. Soldiers who were driven mad by curse or fire are in the sanatorium for treatment. Endless mounds of cursed detritus are thrown into the purification pit at the island's heart. The Maiden's fire turns it all into blessed iron, ready to be forged into armaments for the Inquisition. Un endroit intéressant à attaquer du coup. Donc du coup, on a la perle noire, ce serait de nuit, ou alors de jour, on y va, on récupère une clé et de l'énergie d'âme. Et enfin l'île de la pénitence. A prison made for souls. Prisoners who died before serving their full sentence are brought to places like this to complete their punishment. Their lingering souls are scraped from their bodies with fire-blessed tools before they are incarcerated in sacred urns. Thousands of them are entombed in the belly of the fortress, while their bodies have long been discarded. Rumor has it that some souls have been held here for over a century. Long driven mad by their imprisonment. Sadly, we lack the means to destroy this prison and must leave most of them to their terrible fate.
Bah, je pense qu'on va commencer par l'île de la pénitence, tiens. Alors apprendre un petit peu à emprisonner des âmes, quoi. On récupère la main du capitaine, ok. Et bah c'est parti. Journal de bord, c'est quoi? Ok, ça nous donne la progression. Un signe de mission, on les connaît? Non, ils sont cachés. Et là, un signe d'île, c'est caché aussi. Très bien. Et bah on est parti. Pour l'île de la pénitence, du coup. We arrive at the Isle of Penance. Pretty daring of Mordecai to hide a clue here. What led you to think that he did? Years ago, an old acquaintance of the captain was imprisoned here. Her name was Bonefinger Barb. I see. One of Bone and Finger's call. Precisely. Though how she is linked to the captain's treasure, I cannot say. Well, let's ask her then. How do we get her soul out of this hellhole? Touch the energy reliquium on top of the soul prison. I will handle the rest. Now, choose our landing. Oh, ça va être complexe. Alors, ok, on peut quand même pas mal zoomer avant de choisir la zone. Donc, on débarque ici. Des gardes qui patrouillent, des gardes qui patrouillent, des gardes qui patrouillent. Des gardes qui clandent. Une brèche. Ici, ouais, on va. Ouais, ok, il y a pas mal de monde quand même. Et l'autre côté, du coup, c'est là. Hop, là, on zoom. Patrouille, un mec qui glande, patrouille probablement, une brèche, un commissaire, encore un qui patrouille, ok, il y a pas mal de monde aussi. On va être 3, je pense qu'on va débarquer là, c'est parti. Alors, ah, on n'est pas obligé de prendre Afia, bon, on a besoin de 3 personnes, on a que 3 personnes, donc ça va être assez simple et assez vite vu. Mais, Afia n'est pas obligatoire pour ces missions, donc... J'imagine qu'une fois qu'on aura débloqué une autre perle et de l'énergie d'âme, on pourra ressusciter une quatrième personne et après on pourra faire les missions suivantes à 3 sans forcément prendre Afia. Bon après Afia reste très intéressante. Bonefinger Barb. Who was she to Mordecai? Both she and us were part of the dead man's fleet during the evacuation of Port Royal. She and the captain fought a group of prognostics. Je voulais mettre mage et je les ai relevés. En fait. Excusez-moi, on recommence. Hop. Vous accroupissez et toi tu vas nous attirer, je pense. Celui-là, quand il passe. Both she and us were part of the dead man's fleet during the evacuation of Port Royal. She and the captain fought a group of prognosticars together. I might have helped a little when the captain lost his hand to a burning blade. It was she who salvaged it in the chaos. We were thick as thieves afterwards. Went on many a voyage once the fleet disbanded. Il m'a entendu. Ok. Return. I like these odds. Bon, on va falloir réfléchir un peu. On n'est pas sur un truc complètement à l'arrache là. Donc ça, je pense que c'était pas mal. On l'attire, lui, on le tue, ça en fait un de moins. Both she and us were part of the dead man's fleet during the evacuation of Port Royal. C'est quoi ça? She and the captain fought a group of prognosticars together. I might have helped a little. When the captain lost his hand to a burning blade, it was she who salvaged. Voilà. Je suis concentré sur les paroles. Du coup, je fais n'importe quoi. Well, well. Il y a des fantômes qui se baladent en plus et tout. Enfin, ça me. Bonefinger Barb. On va attendre qu'elle ait fini de parler et on verra après. Both she and us were part of the dead man's fleet during the evacuation of Port Royal. She and the captain fought a group of prognosticars together. I might have helped a little. When the captain lost his hand to a burning blade, it was she who salvaged it in the chaos. We were thick as thieves afterwards. Went on many a voyage once the fleet disbanded. Is this not what the walls are for? You know the maiden's paths are manifold. Ok, d'accord, on va pouvoir se concentrer. Arrêtez les conneries.
Prepare for death. The leaves hide all. Raise with your legs. Et on sauvegarde cette fois. I'm always here. One arm, two souls. I will be back. Move like water. What horrid thing made that noise? Qui va même pas être dans la one arm technique. Simple. The expected a leaf on the wind. Je peux le relancer, hein, j'ai pas besoin de. A heavy customer. Comme se téléporter pour le plaisir. Bon, on va éliminer probablement lui. Alors lui, il voit jusqu'où. Ok, rien de fifou. On devrait pouvoir se débarrasser de celui-là sans avoir besoin de s'embêter. Ça fait une torche de moins. Ici, on peut grimper. Tu peux grimper au lien, tu peux grimper au lien, tu peux grimper au lien. Ok, donc là, on peut s'infiltrer assez facilement par ici, enfin encore qu'il y a lui là, mais en gelant le temps ou un truc du genre, on peut se débrouiller. Là il y a quelque chose pour tuer celui-là. Ok, pourquoi pas, ce qui stunnerait celui-là. Bon, admettons, là il y a un enfoiré qui surveille le port, donc pas forcément un problème. La map dit il y a une porte ici, une brèche, notre quête est là, un mec avec une cloche là. Donc ça c'est des personnages qui sont reliés, il faut les tuer en même temps, sinon ils se ressuscitent les uns les autres et ils déclenchent l'alerte. Je pense qu'on pourrait peut-être faire un peu le tour et éliminer le... éliminer les... les mecs qui sont en bas. Ouais, je pense qu'on va commencer par ça. C'est parti. Oh, une tortue. Une petite sauvegarde. Il n'y a pas de buisson là, mais on devrait pouvoir tuer celui-là discrètement, je pense. Lui, il le voit pas. Non. Don't let the flame get you. Et donc, est-ce que toi, t'as moyen d'aller tuer celui-là sans te faire repérer? Juste. Juste pile poil. Welcome to the other side. Très efficace l'éclair hein, de Afia. Alors, toi, du coup, tu vas cacher les cadavres. Never look back. My blade is ready. Pourquoi? Can you hear the way? Ressors là toi. On va éteindre la lumière. Toi tu jettes le cadavre. Toi, tu récupères le cadavre. Ok, alors ici ça va où? Ça va loin visiblement. Jusque là? Non. Jusque là? Non. Ah, jusqu'ici. Ok, on arrive de l'autre côté de la map. Très bien, donc là c'est un tunnel pour passer vraiment sous la map. Intéressant. Intéressant, intéressant. Et là du coup on peut grimper une fois qu'on est là, se faufiler par là, et là il y a un trou dans les remparts qui nous permet d'arriver plus ou moins là. C'est pas inintéressant. On va sauvegarder un coup. On va rester planqué juste là. Ah là, il y a moyen de tuer juste celui-là. Okay. Est-ce que toi, t'as moyen de passer au-dessus? Ouais, il y a beaucoup trop d'éléments là. Ouais, non, c'est ça. Tu peux pas.
Tu peux pas faire ça. Ok. Donc il faudrait qu'on se faufile d'une manière ou d'une autre. Alors par contre, ce que tu vas pouvoir faire, c'est rentrer genre ici et ressortir là. Pendant que par exemple toi, tu te faufiles par là. D'ailleurs, tu peux. Ah merde, tu finis par là. L'enfoiré. It's her own fault she got stuck here. She sold us out to the Inquisition bounty hunters. Now that's harsh, even for a pirate. We had a falling out. I still think it was because the captain decorated his hat with his chopped off hand. Horrible fashion. Regardless, we escaped the zealot's ambush, so they put Barb in here instead. I like it already. Sympathique, j'avoue. Alors, toi tu peux sortir là, hop, et du coup mettre un gros coup de pioche là, lui je l'ai raté du coup dans l'intervalle. Ce qu'on va faire c'est que quand il repasse, on sort et on le chope dans l'angle mort là, cours. Let these holy instruments separate flesh from sinners. I can help if you like. A pirate's delight. My galley is the battlefield. Mr. Mercury, cache le corps. Ok. On est infiltré. Alors sachant qu'il y a un mec ici avec une alarme. Là il y a de la patrouille, il va jusqu'où lui? Jusque là. Ah, il va assez loin quand même. Là également. Et il rentre carrément lui. Toi, du coup, ce que tu peux faire, c'est ça. Et lui, il le voit là. On est d'accord, il est en plein dans son angle de vue. Par contre, s'il décide de se barrer, il y a peut-être moyen de faire des trucs. Genre comme ça, par exemple. Oh, le coup d'encre en plein dans les roupettes, ça fait pas plaisir. Juste parfaitement hors de vue là, c'est nickel. Ok, ça fait déjà deux de moins. Et je pense que si je vais là, je dois pouvoir le choper lui pendant que l'autre s'est barré. Ah vrai, il y a lui en plus. Est-ce que j'ai le temps? Non, j'ai le temps. Ah si, il est en train de discuter, j'avais le temps. C'est pas grave. On prend pas de risque. On a tout le temps du monde. On nettoie tranquillement les gens. Je pense qu'ici, on va peut-être s'occuper un petit peu de ça aussi. Donc, lui... Ça l'affole pas visiblement. Affirmative. What's in it for me? I like these odds. Heavy. Cut through the shadow. Ah, sure as the. I'm here. I can be anywhere. Toi, pose ça là. Preparing the ingredients. Hop. On va attendre qu'ils reviennent. Et on va s'en occuper. Il y en a un là qui est ici, là. Il papotait avec lui. Vas-y, tourne-toi. Avance un peu encore. Quick là. C'est parti. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est envoyer Afia ici. Il vient jusqu'à nous, lui ? Non, il vient pas jusqu'à nous. Comme ça, on se débarrasse de celui-là et on n'en parle plus. On va sauvegarder au cas où il y ait
quelqu'un qui surveille là et que je l'ai pas vu. Consider heave ho. Ok, est-ce que d'ici je peux tuer? One shot only. Je serais curieux de voir. Now we're getting somewhere. Alors avant de faire ça, on va aller se cacher un peu plus efficacement pour voir. Et je suis curieux de voir si ça fonctionne. Vu qu'on a vu des, il y avait des munitions à récupérer là. Even when the body is long gone. Let's see what's out there. No time to be subtle. Non, elle le fait pas d'ici. Putain, qu'est-ce qu'il fait? I'm glad our souls will be. Elle le fait pas de haut, elle sort par là pour aller le indeed, tuer. So long as ce qui est effectivement très con. Ah oui, bah non, parce que ça c'est le bruit, mais il est pas à portée. Par contre, on pourrait tuer celui-là d'ici. Like non. Non. Donc ça ne marche pas. Dommage, like ça aurait été rigolo de les tuer d'en haut. Ok, donc ça ne fonctionne pas. On va donc sortir par ici, c'est le plus logique. Rejoindre les copains. Et je pense qu'on va aller s'occuper de, des amoureux là. On va prendre lui. Parce qu'il peut se cacher efficacement. Est-ce que Afia d'ici peut téléporter là? Non, c'est trop loin, puis en plus c'est en dessous. Preparation is key. Curious sound. Is that? Why the maiden? What happened here? Was it the curse? Or merely fate? Pure non, non, attends. Brilliant. Voilà, là c'est bien. Hard to make. Bim! Et alors, ce que tu peux faire, c'est te cacher et tuer celui-là, et donc vous voyez, ça va stun le coco là, qui reste tranquillement là, prêt à se faire tuer. Ok, on a une porte de sortie. A feast for my braise with your legs. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut cacher ça? Jette-le dans l'eau. Never look back. Ok. I'll be there soon. Ça c'était efficace. Thank you for the backup. Maintenant il nous reste quoi dans le coin? Un mec ici. Des gens là. Un qui surveille là-bas une patrouille. C'est quoi, c'est des civils ça? Ah non, c'est des fantômes, ils apparaissent sur la map, d'accord. Marrant. On a pas mal nettoyé déjà, hein. Franchement. Si on veut se débarrasser de celle-là, il faudra s'infiltrer par là et par là. Donc autant dire qu'il faut avoir nettoyé tout avant. Est-ce qu'elle regarde? Ouais, elle surveille en plus. Les appareillés. To be confined, even when the body is long gone. What a dreadful fate. On pourrait peut-être même s'en débarrasser en premier. They may blame the curse, not us. Death doesn't mean what it used to. Ouais, c'est peut-être pas dans son angle de vue. Peut-être que si on tue celui-là, ça passe. On se débarrasse de ces deux-là, là, celui-ci, celui-ci. C'est peut-être jouable. Alors déjà, est-ce qu'on peut remonter? Oui, on peut remonter. Consider it done. Vas-y. Là on a une échelle qui nous amène là, ok. Let's capture this moment. Alors, ce qui serait pas mal, limite, c'est que toi, tu ailles ici. What do we have here? Toi tu vas ici. Straight to the point. I'm always prepared. I'm glad I'll move with speed. Spared such a crew. What's in it for me? Parce que toi, indeed, tu vas être capable so long de te téléporter normalement so là. C'est un petit peu loin, mais dès que lui est passé, il tente le coup. Là, il y avait même un angle mort en vrai. Ok, donc pause. Toi. Ah, tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Merde. Si j'exécute là.
Ah non, merde, ça marche pas, ok. On arrête tout. Tu vas sortir du coup plutôt là. Une fois que tu te caches ici, à la même hauteur. Ok. Parfait. On va mettre ça enregistré. Toi, on n'est pas forcément obligé de se synchro là, au contraire, hein, parce qu'il faut que lui là. D'ailleurs, on pourrait l'exécuter là, il y a un angle mort. Juste pile poil. Par contre, on est en pleine lumière là. Ça le fait. Ah putain, on s'est fait voir. Dommage. Dommage, dommage. My galley is the battlefield. Vas-y, viens là. Ah, il y a ici. Ouais, j'avais pas vu. En fait, là, il y a un tout petit angle où l'autre elle nous voit là. Je me suis dit, je m'éloigne de la lumière et en fait, c'était pas une bonne idée. Let's try a new recipe. We spare the crew. Indeed, so long as we do not. Another sunken soul. Voilà, normalement, on est bien. Non, on n'est pas bien du tout. On n'est pas bien du tout. Back here, I see. Il est bien, bien couvert cet endroit. Alors la question c'est, est-ce que là elle voit jusque là? Puis on va pas s'embêter, hein, on va se cacher. Voilà, ça au moins on est sûr qu'il nous voit pas. Ici du coup on devrait pouvoir limite tuer celui-là quand il arrive ici silencieusement. On a dit que non, on a dit que lui il voit. Merde. Donc il va falloir l'attirer si on veut faire ça. Non. C'était pas forcément ce que je voulais faire mais bon, ça passe. Cache-toi là. C'est le 2 que je voulais, voilà, c'est toi que je voulais. Ah, t'as fini là. In a moment. One arm, Nakama. These moanful cries. Sometimes they follow me into dreams. Be glad that it's just failing. When you're down there, some fall well done. A heavy customer. Va acheter ça là-bas. Mais lui du coup il couvre tout, donc il va falloir qu'on la réattire là. Donc on va reposer ce petit truc ici et on va l'attirer quand il reviendra pour un peu. Voilà, et la flûte. Donc la flûte en fait les attire là où on a fait le bruit. Faut le savoir, hein, ils viennent par défaut à l'endroit où ça a fait flûte. T'as raison Marley, une petite sauvegarde là, ce serait pas mal parce que mine de rien, ça se passe pas trop mal. Mais il y a la petite sueur. Bon, et du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est envoyer Afia là. Et aussi lui ici. Non, par là. Passe par cette porte et ensuite infiltre-toi là. Alors ici le problème c'est qu'il y a une foutue lampe, donc quand on va sortir il va nous voir. Ce qui n'est pas franchement ouf. Est-ce que je peux le geler? Je peux le geler, le temps de me faufiler, ça c'est plutôt cool. Donc toi tu sors là. Toi tu vas là, toi tu vas là. Il va falloir qu'on les tue donc simultanément. On va sauvegarder. Et on exécute. Parfait. Ça le fait. Planque le corps. Hop, voilà. Retourne là. Alors on a débloqué le niveau suivant, je crois que loin des yeux, loin du cœur, c'est le truc pour se... Comment ? Pour cacher les corps.
Est-ce qu'on peut éteindre là et ça les attire un peu? Non, ils s'en foutent. Ok. Ça me convient. Alors, comment on va gérer cela? A mon avis, on va pouvoir le gérer avec nos deux téléportations. On va utiliser toi. Et toi, ok, ça me va. Hop là, donc ici, toi tu suis ici. Et le charpentier il tue celui-là. C'est parti. Un joli petit nettoyage. Ma foi, on sauvegarde. Toi, cache-le. Ressort. Voilà. Et donc on va toucher ce truc. C'est parti. I extend my reach through you. I summon the soul of Bonefinger Bar. Marley, you stinking sloop. Hello, Bonefinger. I believe you have something for us. You leave me for decades in this hellhole, and that's the first thing you say? The captain rarely mentioned you after your betrayal. Oh, he remembered me enough to use me as a piece in his little puzzle, the old bilge rat. But he's gone now, isn't he? He said as much when he snuck in here. What did he tell you? Said this was a precaution. A way to make amends. Said if you showed up, he was already dead. He told me where he hid that rotten old thing for you. Free me, and I'll show you. Very well. Betray us, and I'll put you back. Yes! Free at last! to feel the sea breeze on my fleeting shape again. So long, you musty old bark. And don't worry. X always marks the spot, eh? Ah, le vol. I like her guts. As did the captain. Though I like her better in soul form. Pretty harsh to leave someone rotting in this prison. She deserved it. Her betrayal cut the captain deeply. I suppose he saw this as a just way to even things out between them. What would you have done if she'd betrayed us? I'd have unleashed a memory, and she'd be back in her urn. Eh oui. Alors, le X marque l'endroit. Le X marque l'endroit. A priori, on voit rien d'intéressant là. Là, il y a un X avec la cloche, peut-être. Ça plutôt non. Est-ce que ici il y aurait quelque chose qui ressemble à un X? Pas trop. Il y a des caisses là qui font des X, mais ça me paraît bizarre. Après il y a les... Ah, ok, d'accord. C'est tout là-bas en fait. Ok. Il faut donc qu'on s'infiltre par ici et donc qu'on ressorte par là. Bah, alors non, pas go, l'épisode a suffisamment duré, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode là et on fera la deuxième partie de la quête lors du prochain. J'espère du coup que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.